Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on est sur Dragon Ball Legends, vous l'avez compris, vidéo invocation pour le nouveau Black Goku rosé ultra giga méga stylé de la mort. Vous avez une petite animation juste ici qui pop et qui vous montre un petit peu la beauté de cette nouvelle unité, et puis c'est un ultra donc forcément ils étaient obligés de faire les choses en grand. Malheureusement, sur mes sessions invocation des personnages ultra sur Dragon Ball Legends, eh bien en général ça se passe pas très très bien, donc je croise les doigts qu'aujourd'hui ça puisse aller un peu mieux, puisque en plus de ça, Black Goku Rosé, je pense que j'ai ce qu'il faut dans ma box pour pouvoir le jouer directement et convenablement. Donc, s'il pouvait tomber aujourd'hui, clairement je signe. Bref, en tout cas, vous dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce Black Goku Rosé, si vous avez invoqué, si vous l'avez obtenu, combien de cristaux vous avez utilisé, et puis surtout si vous l'avez testé, est-ce que vous l'aimez bien l'unité, même si je sais que d'après son kit, il risque d'être vraiment fort. J'imagine qu'il rentrera dans un top 3 du jeu très facilement. En tout cas, de mon côté, on a 10 000 cristaux, donc c'est pas trop mal, ça pourrait être mieux, mais bon, en vrai, je joue un petit peu tous les jours à DB Legends, je me connecte, quête quotidienne, mode histoire, dès qu'il y a un petit événement, on le fait également, multijoueur un petit peu, et comme ça, on récupère, on va dire, entre guillemets, quelques cristaux, mais c'est vrai que je farme pas comme un porc, je pourrais en avoir plus, mais en vrai, ça va, j'arrive à économiser, ça va, j'arrive à ne pas être gourmand sur le jeu, sachant que je ne mets plus aucun centime, donc en vrai, ça va, là, 10 000 cristaux, on aura de quoi faire techniquement si on veut 3 steps, mais je pense que j'en ferai que 2 maximum. Si je ne l'obtiens pas, eh ben, tant pis, c'est pas grave. Si je l'ai, eh ben, je serai le premier content. Donc voilà, j'espère avoir un petit peu de chance aujourd'hui parce que ça fait longtemps que DB Legends ne m'a pas régalé. La dernière fois que j'ai été régalé, c'était pour le Gohan Beast. Ah si, et pour le Goku Vegeta qui était de type vert aussi, SSJ4 du coup, que je joue d'ailleurs dans la même équipe avec le Beast Gohan. Mais depuis, c'est vrai que j'ai rien drop. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir invoqué, mais la chance, les dieux de Dragon Ball Legends n'étaient pas avec nous. Bref, allez, on y va sur ce aujourd'hui. Let's go pour la première multi. Ah non, 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 attendez, je suis un fou, moi. Attends. Première multi, oui, mais non, parce que regarde ici, il y a de quoi faire une petite multi gratos. Alors, on va se la faire, c'est avec des tickets, c'est avec des bonus de connexion, si j'ai bien compris. On va se la faire juste histoire de faire chauffer la chance, tu vois, de commencer à faire chauffer la chance. Nous en avons besoin, donc on va faire ça et on va croiser les doigts pour que... Allez, que la chance cette fois-ci elle soit avec nous. Alors je vois, il y a beaucoup de téléchargements, il y a que... Oh, 3 capsules, ok, ça sent pas bon ça. Par s'il se met un SSJ ou qu'il réussit à en lancer du dragon ou un truc comme ça, mais j'ai un doute là, non? Ouais, égalité, bon, ça sent la vieille multi-invocation. On va voir l'animation ici juste. Bleu, ouais, bon, allez, skip, il y a même pas, il y a rien là-dedans. Ouais, voilà, il y avait même pas... Allez, ça c'était des tickets, c'était gratuit, c'était pour faire chauffer la chance. J'espère que le reste de la vidéo, le reste de mes invocations sur Black Goku Rosé Ultra... ne se passeront pas de la même manière, hein. Y a pas intérêt, hein, parce que là franchement c'est moche. En tout cas c'est un système de paliers, je crois c'est 3 multipayants plus une gratuite derrière. Donc écoute, allons-y, première multi-invocation, sparking garantie ou plus une fois. Allez, let's go, avec 2000 PZ aussi si on obtient le rosé là, ça fera plaisir. Allez, beaucoup de téléchargements d'entrée de jeu. Ça serait tellement beau de... Oh! Oh! Première multi à SSJ Blue. Alors après, vu que c'est un sparking minimum garanti, on sait que ça peut garantir deux... Enfin, le SSJ Blue, c'est 2 sparkings, si je dis pas de bêtises, hein, si je me trompe pas en termes d'animation. Donc en vrai, ça peut être 2 vieux sparkings dégueulasses aussi, mais sauf si... Il y aurait pu avoir un petit Broly, un truc. Ouais, là, tu vois, c'est juste, on pousse. Donc du coup, bon, c'est bien déjà. Mais ça peut être que 2 sparkings, malheureusement, avec une belle animation comme ça, ça serait dommage. J'allais dire, à la base, imagine, je drop dès la première multi-invocation, chose qui m'est jamais arrivée. Mais faut pas trop en demander, Zamasu. Choper un ultra dès la première multi, faut vraiment avoir une chatte de fou, hein. Vraiment, c'est abusé. Allez, ok, Beritasama. Par la suite, nous avons qui? Nous avons Kame Céline. Nous avons ensuite Beritasama. Ok, on enchaîne ici. Alors, attends. Ah, ouais, ah oui, mais le dernier, du coup, vu que c'est Sparking ou plus garanti une fois, il est à la fin, c'est ça, c'est le dernier. Oh, et voilà, tu vois, c'est ça, c'est le problème, parce que là, on est dans le ciel, plein de capsules, SSJ Blue, Golden Freezer, tu te dis, oh! Oh, l'animation de fou! Oh, les deux sparking et tout! Mais bon, le problème, c'est que... Voilà, on s'en doutait. Oh là là, par contre, j'avais pas vu. Oh, 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 oh! Taux de ultra x2 sur la prochaine multi-invocation. C'est le moment! C'est le moment où jamais, alors! Allez, on y va! Que la chatte à Mirai bah, soit avec nous, hein, bien évidemment. Allez! Des gros miaou. Allez, s'il te plaît. Ultra x2, ultra x2, ultra x2, ultra x2, ultra x2. Allez, un petit peu de chance. Beaucoup de téléchargements, là. Une capsule, tout ça pour ça? Oh non, Vegeta, la pire animation possible. Oh Vegeta, pourquoi? Et là, je râle, et s'il faut, imagine, je chope le ultra en vrai. C'est vrai que j'ai même pas regardé le détecteur d'ailleurs du portail, et j'ai même pas fait attention, j'ai lancé comme ça un peu, à l'arrache.
Ok, c'est un héros qui se transforme en Sparking du coup avec Vegeta. Et c'est un Trunks, super, que nous avons déjà, je crois que c'est le rouge, lui, nous l'avons depuis la nuit des temps. Ok, deuxième Sparking quand même. Zamasu et Black Goku, qui était pas mauvais à l'époque, on le jouait pas mal lui, il était sympa. Il était sympa celui-là. Enfin, il était même fort en fait, il tankait, en vrai il tankait bien. Je m'en souviens, il était solide, il était très solide. Oh, troisième Sparking. Gotenks. Allez, Gotenks aujourd'hui c'est plus compliqué sur le jeu malheureusement. J'aurais aimé... Gotenks, il y a des périodes où quand c'est sorti c'était pas mal, mais aujourd'hui... est-ce qu'il y a un Gotenks qui est respecté d'ailleurs encore à l'heure actuelle? Je sais même pas en vrai. Non, je crois pas, hein. J'en vois jamais des Gotenks, même en PvP quand je joue en ligne. Franchement, j'en vois pas, c'est dommage. Un vrai Gotenks Ultra. Moi je signe tous les jours, je sais pas ce que vous en pensez. Un petit Gotenks Ultra qui se transforme de SSJ à SSJ3 à la rigueur. Ou même direct à SSJ3 si tu veux, hein. Pas de problème. Allez, on prend. Moi, je signe tous les jours. Allez, sur ce, troisième multi-invocation. Troisième multi-invocation. Bon, voilà, c'est Sparking ou plus garanti. Et ensuite, il y a la multi gratuite. Bon, pour le moment, rien à se mettre sous la dent, rien de bien intéressant. Eh bien, allons-y alors, c'est parti. Le fait unique, le doigt de la justice, le fameux Gotenks. Allez, mon pote, tac, je penche un peu. Comme ça, je m'étire en même temps. 1, 2, 3, 4, 5 capsules, pas de Super Saiyan, on est toujours sur Namek classique. Lancer du dragon qui va être réussi. Y a pas un truc. Est-ce qu'il y a une animation qui garantit un ultra ou pas en vrai? En vrai, je sais pas. Tout à l'heure, je parlais de Broly, mais rien à voir, parce que Broly, c'est pour les LF. Je sais pas si... Je pense pas que Broly garantisse les ultras non plus. Hein. Il doit y avoir une animation, mais je la connais tellement pas, vu que je drop jamais d'ultra, bah... Oh, Sparking, ok. Vu que je drop pas d'ultra, ben je connais pas les animations, s'il y en a une spécifique. Je sais que là, quand il y a ça là, la boule là qui apparaît comme ça, la boule elle est bizarre, ça je sais. Parce que j'ai déjà vu une animation comme ça. Trunks et Mike étaient très bons aussi à l'époque. Ok, Trunks Mike était très bon. Malheureusement, toujours pas de rosé. On est dans l'arc rosé hein, depuis tout à l'heure. Trunks Mike, Black Goku Zamasu, mais pas le Black Goku rosé. Troisième Sparking. Goku du film Metal Cooler, j'aime beaucoup la carte. J'aime beaucoup la carte, même si aujourd'hui je pense que c'est plus compliqué de le jouer, mais à l'époque, putain, il mettait des tatanes lui. On se souvient, il mettait des belles frappes en vrai. Il mettait des très très belles frappes. Allez, suivant. Chauffe-toi, Lilian, chauffe-toi. Multi gratuite. 3, 2, 1. Allez, Black Goku. Imagine, tu tombes sur une multi gratuite. Ça serait pas extraordinaire, Black Goku Rosé? T'en penses quoi, toi? Tu penses pas que ça serait vraiment le meilleur timing? Comme ça, on n'a même pas besoin d'entamer un deuxième step ou quoi? 1, 2, 3, 4, 5 capsules, mais Namek toujours. Super Saiyajin direct, ok. Alors, peut-être, avec un peu de chance, même pas du lancer du dragon réussi. Ah, glisser bleu. Rouge. Ok, Kamehameha, crise cardiaque. Ouais, crise cardiaque, c'était sûr. Allez, pousse-le. Envoie-le en enfer, celui-ci. Envoie-le en enfer. Magnifique. Alors, voyons voir. Qu'avons-nous au menu, ici? Monsieur Guldo. Non, merci. Nous avons qui d'autre? Attends, la lumière, elle est basse, là. Hop, nous avons qui d'autre? Le petit Goku enfant. Nous allons continuer avec Guldo. Ouais, par contre, les multis comme ça, non, merci. Saibaman. Ah, ça sent le Sparking à la fin de la multi-invocation et c'est tout là. Yuri, tu sais qu'elle, je sais même plus d'où elle sort. Hein. À chaque fois que je la vois, j'ai l'impression que c'est un hors-série ce truc. Yuri, ça sort d'où ça? Je sais même pas c'est quoi, c'est Dragon Ball Super? Dragon Ball, c'est quoi? Je m'en souviens plus. Franchement, j'ai aucune idée. S'il y a quelqu'un qui sait m'éclaircir dans les commentaires, bah je suis preneur. Hein. Clairement, je suis preneur. Bon, Bah écoute... Je vais me chauffer, hein, deuxième cycle, hein. On va pas rester sur un cycle comme ça, on peut pas, c'est pas possible, hein. Bon, ça me fait chier parce que bon, j'ai durement farmé, mais bon, on le sait, les ultras, ça tombe pas au hasard, donc si on veut que ça tombe, eh bien, il va falloir cracher les cristaux. Donc allons-y pour un deuxième step, et si je l'ai pas à la fin du deuxième step, j'abandonne, j'irai pas faire le troisième, il faut que je commence déjà à économiser pour un prochain portail qui risque d'être intéressant, donc économisons déjà. Alors 1, 2, 3, 4, 5 capsules encore. Vegeta Saba qui prend le relais. Reste tranquille Goku, reste de côté. Mais j'aime pas quand Vegeta il vient. J'aime pas, je déteste ça vraiment. Je déteste ça. Je sais pas si vraiment il y a une animation qui garantit le ultra. C'est obligé, il y en a une, c'est pas possible. Et vu que je la connais pas, du coup je pense que j'aurai la surprise totale si jamais ça arrive. Si ça arrive, hein, parce que je vous ai dit, DB Legends, ça fait des mois et des mois qu'il me gâte pas. Tu remontes toutes mes dernières vidéos invocations sur le jeu. Ah franchement, c'est la soupe à la grimace. Alors, Monsieur Frieza Saba. Et le Sparking, non, juste après, 3, 2, 1. C'est qui? Il n'y a que Mike, on reste dans l'arc Black Goku Rosé.
Ok, bon, notre... si on veut augmenter nos chances d'avoir un ultra, c'est maintenant. Ultra x2. Allez, là, jusque-là, je fais mes invocations, je dis rien, je fais rien, mais bon, à un moment donné, il n'y en a qu'un seul qui peut payer. Je le sais. Ah, mais attends. Rossé, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé son pouvoir. Rossé, par le pouvoir qui nous est conféré, mon pote, toi et ton grand front, plus le mien. Maintenant, mon pote, c'est maintenant ou jamais. Ultra x2, Rossé, c'est ton portail, alors ton pouvoir, il ne peut qu'être légendaire ici. Maintenant, vas-y. Ah, oh, Namek classique. On peut pas avoir même Namek enflammé. On peut pas avoir le glacier. Moi, je veux le glacier, là. Bon, j'ai eu tout à l'heure, j'ai eu l'espace direct à la première multi. J'avoue, stylé. C'est pas qu'une garantie, mais ça, c'est normal, limite. Crise cardiaque. Moi, je veux le glacier, ça me porte bonheur. Mais bon, après, comme j'ai dit, le truc, c'est que là, t'as beau avoir SSJ Blue, bah, ça veut un peu rien dire, quoi. Jilin. Ok. Raditz. Alors, est-ce qu'on aura 1, 2, 3 Sparking? Pour le moment, on se dirige vers un seul. Ouais, Kakunsa, je sais même pas d'où ça sort ce truc, je crois que c'est Dragon Ball Super. Trunks enfant. On va avoir un seul Sparking dans la multi. Et du coup, il est juste après lui. Ah, et maintenant, voyons voir c'est qui, c'est qui, c'est quoi. Jiren. Malheureusement, Jiren, j'étais déjà avec beaucoup d'étoiles. Ouais, il a en plus 3 rouges. Ah, Jiren, c'était pas le moment. Putain, même le extrême, quoi, terrible. Terrible, terrible, terrible. Bon, mais il nous reste 2 multi-invocations à faire. Donc, tout n'est pas perdu. Tout est permis encore. C'est vrai que d'ailleurs, je suis en train de capter, on obtient... Vu que c'est un portail ultra, on n'obtient pas de... Tu sais, les espèces de petits jetons là qui permettent ensuite d'aller faire une multi-sparking garantie au bout de 5... Enfin, une multi, un personnage sparking garantie au bout de 5, par exemple. Vu que c'est un portail ultra, il n'y a pas. Bon, eh bien, écoutons. Écoutons, qu'est-ce que je raconte? Écoutez, on y retourne. Pour l'avant-dernière multi-invocation, Sparking ou plus garanti une fois. Allez, y allez. Izuku, Midoriya, avec un mélange de Gunfreaks, John Kenpong, clac, clac. Allez. J'en ai marre de voir... Oh là là, Vegeta, j'en ai marre. Oh, j'en peux plus de Vegeta, vraiment. Déjà, Namek, franchement, plus le temps passe... On est à combien là? 4 ans, 5 ans du jeu bientôt, je sais même plus. J'en ai marre de voir Namek. J'en peux plus. Changez-moi ça, j'en peux plus. Franchement, Namek, ça porte malheur. On n'en veut plus de Namek. Oh, ça se transforme ici. Ok. Ah, bah Trunks Maï encore. Mais bon, je l'ai déjà. Ok, deuxième Sparking. Ah, c'est pas le bon, putain. Ah, Black Goku Rosé, putain. Ah, en plus, il était bon. Qu'est-ce que je kiffais jouer les Black Goku Rosé à l'époque. T'avais le Black Goku Rosé là, le puissance, il était bon. Enfin le puissance, le rouge, excusez-moi, je parle en mode Dokkan, il était fort. Mais t'avais à côté là, t'avais le Black Goku, pas rosé, le Black Goku qui était de type vert. Oh là là, les mandales, les deux côte à côte, un bonheur de les jouer, vraiment un bonheur. Bon bah ici, qui c'est qui dépasse la limite? Ah, Goku qui passe en full étoile rouge, ok. Bah le reste, je crois que ça bouge pas. De toute manière, ils sont déjà tous ouais, à part lui là, le super boom, on s'en fout un peu. Eh bien, il nous reste la multi-invocation gratuite. Allez! Allons-y! Y allez! Allez, Black Goku, je t'en supplie. Vas-y, télécharge en bas. Vas-y, télécharge toute ton âme. Une animation pour la dernière? Ok, c'est rouge au moins. Déjà, au moins, c'est d'un mec enflammé. Déjà, c'est mieux. Enfin, moi, ça me parle. Ça change d'animation. Ça veut rien dire. Hein. Ça va rien garantir de spécifique. Mais juste inconsciemment, je me dis, c'est pas Namek classique. Oh putain, glissé bleu, même pas Super Saiyan. Oh, ça sent pas bon. Oh, ça sent pas bon, ça. Oh, ça pète au milieu. Y'a rien. Oh, oh, ça explose au milieu. Qu'est-ce que c'est, cette animation? Oh là là. Après, je l'ai dit, hein, ça change rien. C'est juste indirectement où je vois un changement de planète, je suis content. Hein. Mais en vrai, on l'a vu aujourd'hui. T'as beau être dans l'espace ou sur Namek enflammé, sur ce genre de portail, ça change rien du tout, quoi. Bon, bah, rip, hein. Rip. Bon, on a un Sparking ici. Ouais, Dabla. Bon. Tiens, je passe de 10 000 à 4 000 cristaux comme ça en même pas 10 minutes. Ouah, ça fait mal. En vrai, ça fait mal. Quand tu sais que tu mets pas d'argent dans le jeu, c'est dur. Hein, en vrai, c'est dur. Bon, bah écoutez. Pas de rosé ultra. En vrai, c'est terrible parce que j'ai envie de continuer. Parce que le rosé ultra me plaît. Il est fort. Et je sais que je peux le jouer. J'ai des équipes pour le jouer sans problème. Donc du coup, il me plaît. L'unité, je la veux. Mais mettre 9000, 10000 cristaux quand tu mets pas un poil d'argent, vas-y, quand même. Même si c'est un ultra, justement, en plus, c'est un ultra, donc le taux de drop, il est horrible.
C'est dur. Bah, je sais pas. À vous de me convaincre dans les commentaires. Moi, je vais m'arrêter par là aujourd'hui parce que là, on va vivre un vrai traumatisme sinon. Je m'arrête par là pour aujourd'hui. Essayez de me convaincre dans les commentaires si vous voulez qu'on continue d'invoquer. Si vous pensez que c'est une bonne idée de continuer d'invoquer sur ce rosé, voilà, vous me chauffez. À vous de trouver la phrase qui fera que... Allez hop, que ce soit ici en vidéo dans les commentaires ou sur les prochains lives, à vous de trouver un argument valable qui vaut le coup pour me dire Lian, fais péter ton dernier cycle et invoque. Et puis farm à côté, et si t'as même l'opportunité de faire un deuxième cycle, fais-le. Mais faudra voir, à vous de me convaincre, voilà, à vous de me convaincre. En tout cas, moi je vais stopper la vidéo par ici. J'espère que de votre côté, vous avez eu un peu plus de chance. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, pareil également, combien de cristaux vous avez mis, combien de fois vous l'avez obtenu, si vous l'avez obtenu. Et puis pareil, si vous l'avez testé, est-ce que vous kiffez le kit de ce Black Goku Rosé qui en tout cas est magnifique. On va pas se mentir, il est très beau et puis surtout il est très fort en plus, donc... Franchement, il fait plaisir celui-ci. Voilà, moi je vous laisse là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu de soutien, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas que je suis en stream tous les jours sur Twitch, donc n'hésitez pas à passer, Lilian31, le lien dans ma description de la vidéo. Vous avez également mon Twitter, mon Instagram, vous avez mon TikTok également. Donc voilà, n'hésitez pas à passer. Et puis on se donne rendez-vous rapidement pour de nouvelles vidéos sur DB Legends ou d'autres. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Voilà, profitez bien, amusez-vous bien, invoquez bien et farmez bien. Bon courage dans vos invocations. Ciao les gens!